Vas-y, sautez-moi ces obstacles. Allez, avancez. Très bien, Zoé. Anaïs, fais attention à ta posture quand tu sautes. Très bien, Zoé. Alors, le cours est terminé, donc c'était très, très, très bien. Anaïs, fais attention à ta posture. Tu penches trop les épaules en avant et des fois elles sont trop en arrière. Faut que tu trouves le bon équilibre, sinon tu vas jamais pouvoir réussir à passer le galop 2 quoi. Et toi, Zoé, c'était vraiment magnifiquement bien. Tu as su garder le bon rythme au fur et à mesure et c'était très bien. Tu n'as touché en 1 heure aucune barre d'obstacle. Je suis fière de toi. Merci. De rien. Et comment t'as fait pour... Anis, tu veux bien t'enlever, s'il te plaît? Enfin, sortir de la carrière. Je suis en train de parler avec Zoé. C'est un peu privé. Je lui demande des conseils, etc. Je lui dis ce qui ne va pas. Alors va-t'en, s'il te plaît. Mais... Il n'y a pas de mais. C'est Zoé qui m'a demandé de te dire ça à chaque fois que je lui parlerai. Donc, s'il te plaît. Mais... Il n'y a pas de mais. J'ai compris, de toute façon, on m'aime pas, il n'y a personne qui m'aime. Donc je disais, comment t'as fait pour progresser aussi vite? Parce que, à peine la dernière fois, tu n'avais pas trop confiance en toi, alors que là, ça va mieux. Bah, en fait, c'est Sarah qui m'a aidée. Elle est très gentille. Je suis contente que tu t'entendes bien avec elle. Et sinon? Ah, sinon la directrice voulait te parler. D'accord, j'y vais. Au clubhouse? Oui. Allez, à la prochaine fois. Oui. Ah! Je suis tombée. Oui, à la prochaine fois, Elise. Oui. Bonjour la directrice. Excusez-moi du retard. J'ai dû déceler Payette et la mettre dans le pré. Désolée. C'est pas grave. Pour le retard. Je voulais te demander si c'était vrai que Anis n'est pas très gentille avec toi, elle se moque de toi, etc. et t'insulte. C'était pour te demander, tu sais, t'inquiète pas. Je suis pas non plus te punir si c'est faux. Oups, ça va, Zoé? Oui, excusez-moi. Tu sais, si t'es encore trop fragile. Zoé! 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 Zoé? Voilà, tu es quand même mieux assise. Donc, je voulais te faire signer un formulaire qui est sur la table là pour savoir si c'était vrai et si tu voulais que Anis, comment dire, soit virée du centre équestre, le cheval doré. Je ne peux pas, c'est ma meilleure amie! D'accord, bon, je vais appeler Jean-Claude à la rescousse. Jean-Claude, vite! Oui, on m'a appelé à la rescousse. J'aime bien sauver des vies! Wouhou! Oui, ta gueule, Jean-Claude. Mais c'est pas gentil! Moi, je suis gentil! Je suis cool, hein? Hein? D'accord, ferme ta gueule. Désolée. Viens vite, j'ai besoin de toi. D'accord, j'arrive. Attends, je marche. Oui, bah dépêche-toi. En plus, si tu sais pas marcher, ça va pas le faire. Zoé, pourquoi tu pleures? Non, je pleure pas. C'est pas vrai, je pleure pas. Je vais bien. Zoé, je sais que tu vas pas bien. Moi non plus. T'es ma meilleure amie. Je comprends pas, quoi. Je comprends pas comment tu réagis. Je comprends pas ton cerveau. Même qu'il est un peu compliqué. Sérieusement, ton cerveau, il est un peu bizarre, quand même. Enfin, bref, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais m'excuser, pour tout ce que j'ai fait de mal. Et alors que je sais pas ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave. Je m'excuse. T'acceptes? Sinon, je te file 1 000 € en cash. Bon, j'ai pas 1 000 euros, mais c'est pas grave.
Non, c'est de ma faute tout ça. Tu vas te faire envoyer du sang. J'ai rien compris alors, rien compris. On dirait un extraterrestre. Franchement, j'ai dit tu vas te faire envoyer du centre-caisse de ma faute. Quoi? Pourquoi? Mais t'es pas possible toi. Non mais t'es culot tu vois Zoé. Je sais. Non, c'est pas mon but de meilleur ni ça. Oh mais c'est pas grave. Je vais juste me faire envoyer du centre-caisse et mourir. Non, Anis, je voulais pas, s'il te plaît. Non. Une demi-heure plus tard. Bon, voici le plan. Oui, alors, je disais, donc, le plan, en fait, c'est... Genre, toi, tu vas voir la directrice, tu lui dis, ah non, en fait, Anis et moi, on s'est réconciliés, blablabli. Et si elle me croit pas, si elle te croit pas, ben, tu lui dis, t'es pas sympa, bouh, caché, cassé, au lait, café au lait, haha. Non, t'es pas drôle, Anis, pas du tout. Oui, bon, ok, on est meilleurs amis. Oui, meilleurs amis, meilleurs amis. Check. Alors, du coup, tu fais ça. Ensuite, elle dit, ok, mais pourquoi? Et là, il y a Sarah qui va s'incruster parce que je vais l'emmener au clubhouse. Et moi, en fait, non, je vais pas l'emmener au clubhouse. Je serai en train de faire cours avec elle. Et là, toi, t'amènes la Chloé pour lui montrer que c'est Sarah la peste. Et je la connais très bien, elle pourra pas résister, surtout que je serai tout seule avec elle dans le cours et elle voudra me maltraiter avec Mistral. Mais on va pas se laisser faire. Là, t'emmènes la directrice, elle la voit et du coup, pouf, c'est elle qui se fait virer. Et là, elle nous donne une récompense, genre prix Nobel de la paix. Tu vas un peu loin quand même. Je t'ai pas fait voler ton cerveau. Zoé! Bon, ok. C'est parti, go! Y'a personne? Directrice! Jeanne! Directrice! Hey Sarah! Je t'ai cherché! La peste! Quoi? Qu'est-ce que tu me veux? En plus, c'est en retard pour ton cours. Oui, bah c'est ça! En fait, j'ai cours avec toi! Quel dommage! Pourquoi tu me fais un clin d'œil? Je sais pas! Enfin, je voulais pas en faire, pas du tout! Pas du tout, je fais pas du tout un plan. Non, non. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? C'était pas le plan ça. De quoi? J'ai rien compris. Espèce de cerveau de marmotte, franchement. Allez, viens dans le cours. Oui, j'arrive. Putain, faut que je me calme moi. Faut pas que je change de plan. Ah, directrice, je vais vous chercher. Je voulais dire que Anis et moi, on s'est réconciliés, on est de nouveau meilleures amies. Et je veux pas la virer du centre équestre. Elle t'a fait chanter, c'est ça? J'en étais sûre. Saleté d'Anis, c'est son genre, tout à fait. Tu vois, Jean-Claude, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Ah, mais ma petite, faut pas t'en faire. Papa Jean-Claude est là. Mais je suis pas ta fille. Oh, pauvre petite, elle est perdue. Tu vois, je te l'avais dit, Chloé. Elle est juste perdue. Faut qu'on lui remontre comment on marche sur deux pattes. Parce qu'on a des pattes et pas des pieds. Compris? Bah, tu vois, elle sait plus marcher. Non, mais suivez-moi, s'il vous plaît, c'est urgent. D'accord, on te suit. Allez, Jean-Claude, viens. Oui! Allez, adieu! Oui, mais c'est un cours, ça. C'est rien de spécial. Oh, un joli cours. Aïe, je suis tombée. Non, mais regardez, c'est... Ah! C'est Sarah la méchante depuis le début. Hein? Bon, on va bien voir ça. Oui. Bon, Anis, t'es incapable. Mais alors... incapable de sauter des obstacles. Franchement, t'es qu'une boulette. Tu sais rien faire. Franchement, heureusement que tu vas te faire virer du centre équestre. Parce que t'es incapable de rien faire, tout simplement. T'es qu'une stupide, t'as pas de cerveau. Et puis même, t'es pas capable d'avoir un cheval. Je vais te montrer ce que c'est, moi, un vrai cheval. Oh, stop là, tu te calmes. Je suis tombée. Tu arrêtes
Sarah, tu te calmes. Mais tu te calmes, ok? Je suis la directrice. Alors je choisis. Alors tu te calmes. Franchement, non mais tu vas pas bien la tête. Oui, maintenant je viens de me rendre compte que c'est toi la peste depuis le début et que tu es juste horrible. Je vais te faire renvoyer du centre équestre, ok? Mais il n'y a pas de mais. Deux semaines plus tard, tout était revenu à la normale et Sarah, la peste, était toujours dans le centre équestre. On lui avait donné une deuxième chance. Elle était un peu plus gentille, mais elle avait toujours son caractère de peste. Hey, ça va ma meilleure amie? Ouais, toi? Ouais, ça va, tranquille. Tu fais quoi? Ça te dit qu'on fasse une balade? Je prends Paillette. Ouais, trop cool, tu verras. Avec Mistral, j'ai inventé une technique, mais tu sais pas ce que c'est. Ah ouais, tu me la montres? Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, salut les filles. Ah, salut, Sarah, ça va? Ouais, ça va? Tu passes bien le balai, j'espère. Non, c'est pas moi, ils ont... comment on dit? Ils ont employé une nouvelle prêtre-prenière. Ah, super. T'as de la chance, alors. Ouais, un peu plus que vous. Allez, j'y vais, les nulos. Aïe, aïe. Toujours pas aussi doué. Ouais, ça m'étonne pas. Du tout d'elle. De toute manière, elle restera toujours peste. Quoi qu'il arrive. Et nous, toujours meilleures amies. Ouais, quoi qu'il arrive. Ouais.